Open these eyes after hiding from the storm. Try to patch in all this hole, yeah, I'm a fucking dome. Tired of being an asshole like you say. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors je suis ravie et très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme promis, je vous fais mon Shein Summer Haul. C'est mon tout premier haul Shein sur ma chaîne. Depuis le temps que je veux faire ce haul et chaque fois, je prends les pièces, mais je reporte et la fatigue et le boulot. Bref, aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui on fait le haul Shein. Let's get into today's topic. Alors guys, pour aller vite, donc je vous dis les pièces que j'ai prises et aussi comment ça va se dérouler. Donc j'ai pris des t-shirts, des pantalons, des jupes, des ensembles, des robes et des sacs, des chaussures. Donc je vais procéder par tenue. Ce n'est pas forcément comme je le porterai dans la vraie vie. Bon, bref, je vais essayer de faire des tenues pour que ça aille vite. Comme ça, vous n'allez pas rester très longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Donc, guys, la première tenue, c'est ce t-shirt rose que je porte là. Hawaii Honolulu. J'aimerais bien y aller. Bon, voilà. Ce t-shirt, il est d'une matière un peu coton et nylon comme ça. Je ne sais pas exactement, mais c'est léger. C'est genre ce que tu portes pour l'été, évidemment, et peut-être pour le printemps. Mais je ne me vois pas porter ça en hiver ou en automne. Ça, tu cailles. Donc, guys, mais aussi ce que je remarque, c'est qu'il ne faut pas laver ça à la machine parce que ça va s'effilocher. Je ne sais pas ce que c'est le bon thème. Genre, quand vos vêtements font des grains comme ça et tout, c'est désagréable. J'aime pas du tout. Donc, je pense que ça ne doit pas aller à la machine. Sinon, c'est pété. Voilà. Ensuite, j'aime trop le pantalon. Quand je commandais ce pantalon, j'étais sceptique parce que c'était à 4$ quelque chose. Et au check-out, c'était encore moins. C'était dans les 3$ et quelque chose. Je me suis dit, bon, advienne que pourra. Mais là, je suis très, très surprise de la qualité. C'est vraiment élastique comme ça. C'est une matière très stretchy et très épaisse. Ce n'est pas léger. Donc, vous pouvez porter ça en spring aussi. Vous pouvez porter ça en automne aussi. C'est très joli. C'est très, très bien. J'aime trop. Et puis, ça a genre un peu un effet gainant au niveau du ventre comme ça. Tout ce que j'aime. Alors, je l'ai porté avec cette mule qui me vient de Shein, mais ça date. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et ce sac. Je voulais tellement ce tote bag là. Et cette couleur là. Je voulais trop cette couleur rose en sac parce que je ne l'ai pas. Donc voilà guys, je l'ai pris et j'aime beaucoup. C'est assez qualitatif. Ce n'est pas trop cher, mais c'est qualitatif, c'est très bien. Moi j'aime. Donc voilà, je vous mettrai dans la barre de description tous les liens des pièces disponibles, parce qu'il faut savoir que Shein fait très vite sold out. Donc vous pouvez aller et vous ne trouverez plus certaines pièces. Et même quand j'aurai vérifié à la sortie de cette vidéo, il est probable qu'il y ait des pièces que vous ne trouvez plus. Et je fais du M. Donc voilà, j'aime trop. Première tenue. Next, deuxième tenue. Donc vous avez ce t-shirt blanc, assez transparent je trouve, avec ce pantalon noir un peu sauté comme ça. J'aime beaucoup le pantalon. J'aime comment ça match. C'est aussi comme l'autre, ça a un effet gainant au niveau du ventre comme ça, mais c'est la matière que je pensais que le pantalon précédent aurait. Donc c'est une matière collant nylon, enfin, mais c'est pas désagréable, c'est pas mauvais, c'est très très joli. J'aime beaucoup ce que ça donne porté. Maintenant je l'ai mise avec ce petit sac. Je l'ai déjà en noir, j'ai oublié d'enlever les, voilà, bref. Donc ce petit sac beige comme ça, j'aime beaucoup, c'est très très joli, ça fait fashion et voilà, j'aime trop. Et puis la tenue, elle est toute simple, c'est une tenue que je me vois bien porter pour aller faire des courses le samedi. Et vous avez cette sandale là que j'ai prise, ok, donc voilà, beige comme ça, elle est très très jolie aussi et très légère, voilà, j'aime bien ça, ce genre de sandale. Pour les anciens, vous savez que
Vous savez que j'abuse quand il s'agit de claquettes comme ça, j'abuse, je veux ça en toutes les couleurs, mais j'ai été raisonnable, je n'ai pas pris en toutes les couleurs, j'ai juste pris les couleurs que je trouve qui me vont bien, le noir, le marron et la beige. Voilà, je suis raisonnable. Donc voilà guys, mais vous avez ça en toutes les couleurs, rouge, bleu, vert, jaune, vous avez ça en toutes les couleurs et en ce moment ça coûte 7 $ et quelques, en fait 7 $. Cette tenue pour moi c'est un 8/10. Alors troisième tenue, c'est un petit haut comme ça, sans manches, c'est un set de 3, donc il y a cette couleur, la noire et la blanche. Donc comment vous dire que j'aime trop ce look? Ça fait un peu army girl. Donc c'est très joli, j'aime trop. Surtout le cargo en ce moment, c'est tendance, hein, je sais, mais je trouve que c'est trop ma pièce préférée en ce moment. J'aime trop le cargo et le fait que tu peux le porter de toutes les manières possibles. Franchement, je trouve ça... J'aime trop ce look là, donc je l'ai mis avec, j'ai mis le top avec mon cargo de couleur militaire comme ça, vert militaire, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que ça n'a pas de Porsche, mais bon. Et alors ce sac a coûté 6 $, tenez-vous bien. Je ne m'attendais pas à une si bonne qualité, mais franchement, je suis agréablement, non mais agréablement surprise. Ça là, je vais l'utiliser dès... C'est bien solide comme ça, voyez, c'est le jute même. Guys, quatrième tenue, pareil que la précédente, mais en couleur plus claire. Ça, c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu. Ce look me donne un look de fille à papa. Donc, pour... voilà. Pour finir le look, je vais porter une chemise blanche par-dessus. Ça va faire... simple, chic, beau, mignon, cute. J'aime trop ce que ça donne. Et les tennis aussi viennent de Shein. Donc pour toutes mes chaussures, je chausse du 41-42. J'aime trop ce look. Ensuite, vous avez ce petit sac comme ça. Je voulais trop ce sac, je voulais trop ça. C'est un genre de baguette sac, baguette comme ça. J'aime trop parce que voilà, c'est trendy, hein. C'est à la mode maintenant. Je trouve que ça rehausse un peu le look. Donc voilà, j'aime trop. Alors guys, cinquième tenue, j'aime trop. C'est mon kiff. Ça me donne une vibe de working girl, de boss lady. I have no time. C'est très très joli, très chic, très, très... C'est beau, tout simplement. Donc guys, c'est cette chemise rose en satin comme ça. J'avoue que cette couleur là, bon, c'est pas la couleur que j'attendais, mais j'aime quand même. Et le jean, que dire? Je n'ai pas de pantalon blanc, donc je voulais tellement un pantalon blanc. J'ai pris un Adidas Discount et c'était petit, j'ai dû le retourner. Donc ça, c'est une pépite. Et j'aime le fait que ce soit patel et c'est stretchy, c'est bien stretch. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Alors, la chaussure, la voilà. Elle est très, très belle. Elle est très belle. C'est vraiment une très belle chaussure. Et ce que j'aime, c'est la semelle. Vous voyez, elle est plate comme ça. Elle n'est pas très longue parce que flemme. Moi, porter encore des talons très hauts, ça me saoule. Donc, voilà, j'aime trop. Et c'est en PVC comme ça. Je voulais ça depuis longtemps, mais je ne trouvais pas le modèle qui me plaisait. Donc ça, très joli, j'aime trop. Voilà le look complet. Et le sac que j'ai pris avec, c'est un sac que j'avais depuis. Donc si vous voyez, si vous regardez mes shorts, vous savez que je l'ai depuis. C'est un sac Shein aussi. Guys, sixième tenue. De parler ou de n'a qu'à fermer ma bouche. C'est ce que j'appelle un look pour moi. En fait, c'est mon quotidien. Habituellement, c'est jean, haut, basket, sac cabas, period. Et je suis partie. Mais là, depuis un moment, je ne sais pas pourquoi j'aime trop les cargos. Et quand j'aime quelque chose, j'abuse. Je veux l'avoir sous toutes les formes. Donc voilà, ce pantalon cargo là, c'est un pantalon cargo en jean.
guys, avec des coutures blanches comme ça un peu partout. J'aime trop. Et je trouve que cette tenue-là, je pourrais la porter toute l'année en fait. Parce que c'est tellement... Et puis c'est relax. Vous voyez le t-shirt comme ça, tie and tie. C'est très joli. C'est très joli. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais là, là, je donne un 10 sur 10. C'est que... Il n'y a pas quoi. Je ne vais pas arrêter le haul ici. Je donne un 10 sur 10. I love this outfit. En fait, c'est moi, c'est tout moi, j'aime trop. Donc voilà. Next. Septième tenue, guys. C'est cette chemise-là. Oh my god, j'aime trop. J'aime trop. En fait, je découvre les pièces avec vous. Je n'avais pas encore ouvert et tout ça. Je vous montre si vous voulez. Je n'avais pas encore ouvert. Donc, je découvre en même temps que vous. Mais attention, j'aime trop. J'aime trop cette chemise. Et les manches sont assez longues. Elles tombent bien. Et puis l'ouverture ici, ça fait femme, ça fait chic. J'aime trop, trop, trop cette chemise. Elle est très fluide. Donc voilà, le vent passe à travers. Donc c'est très, très, très beau. Maintenant, je l'ai mise avec cette jupe en jean que je pensais un peu plus longue. Mais là, ça ne choque pas la taille. Elle est à peu près correcte. Donc, j'aime bien. Et puis, c'est un jean avec du stretch. Donc, c'est assez bien. C'est assez bien pour bouger et tout. Je me vois bien porter ce look-là pour sortir entre filles. C'est très, très joli. Ensuite, je l'ai mise avec voilà, le sac que je vous avais déjà présenté. Et cette chaussure à clous comme ça que j'ai prise aussi sur Shein, mais il y a très longtemps, ça doit faire 7 ou 8 mois déjà que je l'ai, et je ne savais pas, je ne savais pas vraiment comment la porter, parce que quand je la mettais, je ne la trouvais pas bien, mais sur ce look-ci, I love it. Alors, 8e tenue, tenue basique, très simple, très jolie. Oui, je vais le dire, jupe cargo. Jupe cargo en ton clair comme ça, j'aime trop. J'aime trop. Elle est fluide, elle est simple et j'aime le détail devant, un peu en cœur ou triangle comme ça. J'aime trop. Elle est trop belle et elle est en matière cargo. Eh, chouche. Pardon. Elle est en matière cargo. Avec des poches comme ça et une petite fente derrière. Bon, et une fente derrière. Et voilà, j'aime trop. Et puis, c'est en élastique. C'est pas comme si ça avait de zip, non. Le derrière comme ça est en élastique et tu peux le porter. Tu peux la porter tranquille, quoi. Très joli. Et puis, ça, c'est le troisième top que je vous avais présenté. Et j'ai pris ce sac-là. Très joli, hein. Très joli sac. Ouais, l'intérieur est comme ça. Et puis, c'est en cuir. Vous ne devinerez jamais le prix, en fait. 2 $. 2 $, quelque chose. Et je suis sûre que au checkout, c'était encore un peu moins. Donc, courez. Courez, passez vos commandes. Courez pour prendre ça. Parce que je trouve que ça fait cool. Surtout pour ceux qui voyagent en été. C'est trop bien. Vous passez ça au cou comme ça. Vous êtes parti. Alors, 9e tenue ou 10e, je sais plus. Alors, cette tenue-ci, c'est... Genre, quand tu ne veux pas te tracasser, vous t'habiller, la jupe, elle est magnifique. J'aime trop, j'aime trop. Je sais que dans le hall d'Idis Discount, j'ai dit que les jupes et moi, c'était fini. Mais ça, je trouve que c'est la taille parfaite. Je pense que j'ai compris ce qu'il me faut comme jupe, c'est ça. Et je ne dois pas prendre des jupes plissées ou ovales qui sont plus longues que celles que je porte là maintenant. J'aime trop cette jupe, elle est magnifique. Et j'aime l'imprimer là comme ça, trop belle. Donc je l'ai accompagnée avec ce top que j'ai déjà que j'avais mise, avec les mêmes chaussures que j'avais mises déjà aussi. Et le sac, je trouve que ça fait un look parfait. Maintenant, je peux l'accompagner avec
un tailleur, un blazer, pardon, blanc ou beige. Trop, trop beau. Alors, guys, plus j'avance dans ce haul, plus je kiffe les pièces. Cet ensemble, je l'ai prise dans la catégorie homme, dans la catégorie ensemble chez les hommes. Donc, j'ai pris ça pour mon chéri et je me suis dit, tiens, ça peut aller aussi. Donc, j'ai pris ça en taille M et je kiffe. Je kiffe trop. J'aime trop. C'est posé, c'est carré, tout est à sa place. Maintenant, si vous voulez que le short soit un peu plus long, vous descendez ça. Donc, guys, que dire? J'aime trop la couleur, la coupe. C'est moi. Je pense que je vais reprendre des ensembles comme ça pour l'été. Je crois que pour aller à la plage, pour aller faire des courses au quartier, pour marcher, je crois que c'est beau. Mais c'est surtout pour aller à la plage. Vous mettez ça avec un petit chapeau en paille. Vous mettez vos claquettes. J'ai mis les chaussures que j'ai mises là aussi. Ce sont de très très belles sandales. J'aime trop. Et puis c'est en cuir. Et le sac aussi. Bon, j'ai un peu forcé avec le sac. Je ne mettrai pas forcément ce sac là. Mais c'est le même que l'autre. Donc couleur marron. Brown coffee. Coffee brown. Couleur café, voilà, marron café. Donc voilà, très joli ce look, je trouve. Très simple, casual and good to go, quoi. Let's... Deuxième ensemble, j'aime trop. Donc c'est ce petit top là, jaune comme ça. Oh, j'aime trop la couleur de l'ensemble. Donc vous avez le top et la petite jupe ovale avec la ceinture à la taille. C'est wow. C'est trop beau. Donc, guys, j'ai pris ça pour la maison. Donc, mais si vous aimez, vous pouvez porter. Vous voyez un peu sur la vidéo. Vous pouvez faire votre look comme ça avec un petit chapeau en paille et un sac en jute ou un sac tressé comme ça. C'est trop beau. So, guys, rien à dire. J'aime trop ce look. Mais moi, c'est pour rester à la maison. C'est pour défiler à la maison, vous comprenez, à la maison. Bref, next. Voilà, cet ensemble, c'est le dernier ensemble. J'aime trop. C'est fluide, confortable. C'est le genre de choses que tu portes quand tu reçois à la maison et que tu ne veux pas trop en faire ou que tu vas faire des courses. Ou le must, c'est la plage. L'été, c'est la plage. Donc, pour sortir peut-être entre filles et tout ça, tu mets ça. C'est léger, c'est beau. Tu ne te casses pas la tête. Mouah, I like it. Et puis, j'aime trop l'imprimé floral comme ça. Et la couleur verte, au verte océan comme ça. I love it. C'est, voilà. Tout ce qui est simple, j'aime. Tout ce qui est simple et cute, I love it. We love it, right? Bless you. Guys, en première robe, donc je trouve que cette robe est très belle, c'est une très très belle robe, mais elle ne me va pas, je trouve qu'elle ne me va pas, elle ne me va pas comme dans mon imagination en fait, mais sinon c'est une très très belle pièce, c'est une très belle robe que vous pouvez porter tranquille un soir pour aller dîner avec monsieur, très jolie. Donc voilà, j'ai rien à dire sur cette robe. Elle est parfaite, elle est belle. Elle est en matière, je sais pas comment il dit, élastane, je sais pas trop quoi. Vous voyez les robes qu'on fait avec les élastiques un peu plissés comme ça. C'est le genre. Elle est confortable aussi, donc voilà. Courez la prendre. Et il y en a en plusieurs couleurs. Ok, deuxième robe, j'aime trop. J'aime beaucoup cette robe, je trouve qu'elle me va très bien. La taille, la longueur, ça va, tout va bien, tout va bien. La couleur, l'imprimé, elle est trop, trop belle. Donc, vous l'avez en plusieurs coloris aussi. Et je trouve que la corde devant comme ça pour resserrer et affermir votre poitrine, ça fait que, voilà, ça ne baille pas trop. Moi, je n'ai pas trop serré parce que comme c'est juste un essayage, donc, je ne l'ai pas trop serré. Donc, vous pouvez la
serrer correctement pour avoir une poitrine ferme si vous ne mettez pas de soutien-gorge. Et si vous en mettez, voilà, vous n'en aurez pas forcément besoin. J'aime bien la fente qui n'est pas très visible. Ça se voit que quand vous l'écartez ou bien en marchant ou si le vent soulève la robe. Mais je trouve que cette robe, elle est très très belle. Comme l'autre, oui, vous portez ça pour aller en date avec votre pain. C'est parfait. Très jolie, très belle. Mouah. Alors guys, cette robe, elle est très très belle. Elle est simple et toute belle. Je crois que c'est l'imprimé qui fait toute la beauté de cette robe. Donc voilà, c'est un genre d'imprimé Fenty comme ça. J'aime beaucoup Fenty. Yeah. Yeah. Donc voilà. Mais pour que mon look soit complet, il me manque une tunique, un foulard. Je crois que je vais voir si je trouve une tunique imprimée Fendi avec un foulard de cet imprimé-là. Je crois que ça fera toute l'affaire. Et ça me donnera une vibe de rich auntie comme ça. Gars, j'aime trop parce que ce n'est pas une matière cheap. Elle est épaisse. Elle est en coton. Donc voilà, tout ce que j'aime. Alors guys, cette robe, elle est magnifique. Elle est très très belle, elle est magnifique cette robe. Habituellement, je n'aime pas les robes moulantes et très près du corps comme ceci et dos ouvert. J'aime pas ça du tout. J'aime pas. C'est pas ça, ça fait pas partir de mon style. Mais celle-ci, je l'aime. Non, je la valide. Je la kiffe. Quand je l'ai vue sur le site, je me suis dit, cette robe tira. Oubliez mon look abracata lamené, oubliez mon bidou et tout ça. Quand je voudrais vraiment la porter, c'est qu'aujourd'hui, je voulais juste vous montrer des vêtements. Sinon, je suis sûre que ce haul, je ne l'aurais pas fait. Mais je me suis dit, allez, vas-y, même sans make-up, sans rien, vas-y, montre juste les vêtements. Donc, c'est pour ça que j'ai un look abracata ici. Mais quand je vais l'accessoriser, je vais vous faire un short de ça. Je vais la porter comme il se doit. Avec les accessoires qu'il faut, la coiffure qu'il faut. Hey! Eh ouais, tu n'es qu'elle. Ça va être trop beau. Mais non, bon, je ne peux pas la porter pour sortir. C'est. Voilà. Mais non, je vais porter ça avec, comment dire, un t-shirt pour voir ce que ça donne. Et si c'est gérable, alors que oui, oh que oui, je vais la porter pour sortir. Bon, je ne mise pas trop dessus. Mais guys, voyez-vous même, la robe-ci, elle est magnifique, elle est très belle. Donc pour les personnes qui n'ont pas de problème avec le design de cette robe, courez la prendre. Et elle coûte 3 fois rien. Je crois qu'elle m'a coûté, disons, entre 5 et 6 dollars. Tu portes ça pour aller à un date. Je parle aux célibataires. Tu portes ça pour aller à un date pour rencontrer le chori. Ah, regardez. Je vous ai dit, je suis musicienne déjà. Signez-moi. Donc, guys, c'était la dernière pièce en vêtements de ce haul. Guys, ce sera tout pour ce haul Shein. Ce premier haul Shein. J'ai vraiment pris le temps. J'ai vraiment pris le temps de faire ce haul. Donc, guys, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour me donner de la force pour faire d'autres hauls ou d'autres contenus. Alors, jusqu'à ce que je vous retrouve la prochaine fois, prenez soin de vous. Je vous aime. Bye bye. Thank you.